Ouh, ça commence déjà. Attention, voix de canard en cours. Eh bien, salut à tous, on se retrouve sur Ragecraft 3 The Prophecy pour une CTM. Je n'ai encore jamais fait de CTM sur ma chaîne, donc ça va être une grande première pour moi. Et du coup, voilà, j'ai juste un petit rhume pour ce début de CTM. Du coup, vous risquez de m'entendre un petit peu avec la voix de canard. Du coup, ça doit être par là, si je ne m'abuse. Je me suis pas encore spoilé sur la map, hein. Je connais rien du tout. J'ai juste un petit peu baissé le volume. Activer Dave, ok, bon bah voilà, c'est fait comme ça. Les règles, elles sont là. Du coup, ne jamais mettre en peaceful. Ok, this can break the map universally. Don't use cheat and mod, let's give you. Ne pas trade avec les villageois, ça, je sais pas ce que ça veut dire. You might use ender chest, but what? Don't break this monument. D'accord, ok, j'ai un peu près compris. Nous sommes en normal. Les objectifs, du coup. Les objectifs, you must complete the crystal monument, be placing the 16 crystal or customized stained grass block found in chest around the map. Don't craft your own crystal. Try to place. D'accord, j'ai un petit peu compris. Les épisodes, je sais pas encore, ils dureront combien de temps, peut-être 20 minutes, j'en sais rien du tout. On va manger un petit peu. C'est quoi ça? 8 chunks, ok, d'accord. Hidden. Ok, donc là il y a des petits coffres. Multiplayer info, ah non, ça j'ai pas besoin. Hint, what? J'ai une smith. Oh! What? Ready, ready! Mon Dieu, c'était quoi ça? Never trust a chest. Ah, d'accord, c'était un piège. Oh, c'est joli par ici. Une pomme. Ils ont prévu le coup au cas où on serait deux. La rotten flèche. On va garnir gentiment. Ah, fallait pas ouvrir le coffre du coup. Zut. Du coup. On va prendre un petit peu de bois pour commencer cette aventure. Hop. Voilà. Table de craft, comme d'habitude. Du coup, vu que je me suis pas. Vu que je suis pas spoilé sur la map, je ne sais pas du tout où est le monument, etc. Donc ça va être assez fun. On va prendre un petit peu plus de bois. On va aller miner de la stone après, de toute manière. J'espère que je recorde bien, normalement oui, mais après si mon logiciel plante, je suis un petit peu dans le caca. Alors, hop, une petite pioche. Voilà. Du coup, du melon, ça peut nous servir. Ça peut nous servir, on va replanter après, quand on aura notre petite base. Pour l'instant, pas de base. C'est la base, quoi. Du coup, la glowstone, on va la laisser là, sinon ça va un petit peu spawner. Les graines, pas besoin pour le moment. Hop. Des petites maisons, sympathiques. On va casser, on va tout griffe. Alors, splice item, ok. Ouh, je vois pas trop. All mob around Lones 4 and Wither 1. Ok. Je vais en prendre. Je vais pas trop me gâcher l'inventaire.
J'ai eu un petit coup de freeze. Je sais pas si vous l'avez eu aussi. Alors, ce bâtiment, c'est quoi ça? Dalaran Tower. Sympathique en tout cas ce bâtiment. Potion level weakness. Ok, d'accord. On va les prendre. Dalaran Journal. Ok, on va pas monter. Sauf s'il y a un petit coffre, non? On n'a pas de coffre. Alors. Qu'y a-t-il? Rien à cet étage. Et à cet étage, un petit coffre avec un petit casque des familles. Du poisson, ça fait toujours plaisir. De la bonne mille, ça peut servir. Des livres, ça servira. Et un petit pantalon. J'ai pas besoin de gâteau pour l'instant. Alors. On va speed un petit peu. Là-dedans. Rien du tout. Ok, rien. Y a rien de planqué. Oula, attendez. Une petite bestiole sur mon bureau. Rien de grave. Ok, donc du coup, y a rien de planqué ici. Ouh, petit lag. Petit freeze. D'accord. What the what? C'est assez bizarre. Risque. Attendez, je vais peut-être faire une petite ellipse là pour régler ces freezes. Non? Je suis désolé, je suis peut-être pas en. Je suis peut-être pas en ce que demande la map au niveau des render distance, mais bon, ça. Elle demande un petit peu de ressources donc. J'y peux un petit peu rien. On va prendre un petit peu de cobble. D'accord, c'est du silverfish. C'est tous du silverfish ou. Oh, c'est un salaud celui-là. Oh mon dieu, on n'a même pas de cobble. Ah, du charbon. Enfin, du charbon. Le spawner, je sais pas où il est par contre. Vas-y, pète. Voilà. On va peut-être. Ah, bah, je suis déjà en bright. Je pourrais rien y faire du coup. Ok, il est juste là le spawner. Ouh, ça commence déjà. Attention. Roi de canard en cours. Mon dieu. Ok, d'accord, il était juste là. Là, sous le sand. Allez, pète-le, pète-le. Aïe, oui. Zombie les mes deux. Hop, on va prendre un petit peu de charbon. Oui, c'est vrai, j'ai des torches. Je les avais pas vues dans mon inventaire. C'était juste à côté de ma pioche, mais non, non, je les avais pas vues. Vous savez, le gars qui se concentre sur les zombies. Alors, coal mine, d'accord. Ça a pas l'air de trop laguer là. Oula. C'est là quand les mobs. Wow! Attendez, j'ai peut-être faire une petite ellipse non, pour les freeze, non? Hop, voilà. On va monter en haut, discrètement. Alors. Qu'y a-t-il, le jeune homme? Ouh, mais. Ça va pas bien? Ça va pas bien, là, les freeze. Hein. Bon, bah, c'est pourtant, je sais pas, c'est. Il paraît que c'était une des meilleures cartes graphiques de PC portable. Après, si on m'a menti ou non, j'en sais rien. Du coup, on va manger un petit peu de poisson. Notre barre de nourriture descend. Un petit flot. Hop, toi, on va te tuer. Ah, bah, j'ai déjà plus d'épée. Derrière la seule scène, si j'ai bien compris, il y a des spawners. Ouais, d'accord. C'est bon. On va casser ce petit spawner. Notre inventaire est presque full. C'est assez grand. Ouf. Je vais peut-être me refaire un petit TP avant de recontinuer. Hop. Voilà. Time to strike. Aïe! Connasse. Hop. Voilà. C'est vrai que l'épée en bois, c'est pas l'idéal pour se battre.
Des squelettes des familles. Tu vas mourir, toi? Tu vas mourir. Ok. Attends, est-ce qu'on peut trouver de la vraie pierre? C'est énorme, ça. Ouh. Ouh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, là. On va bientôt plus avoir d'épée, vous savez. Oh, punaise. Non, non, non! Oui, c'est bon, j'en ai cassé un. Il en reste un, et ensuite on pourra prendre le coffre. C'est vrai que je la joue trop peu safe par rapport aux autres vidéos que j'ai pu voir sur internet, sur les différentes maps CTM. Ok, il y a encore un spawner, et puis ensuite on pourra prendre le coffre. Le Norman, il est pas aggro, j'espère. Non. Ok, instant rails. Smite 3, ça peut servir. Minor boots. Du charbon. Ça sert toujours. Ok, le premier cobble. Hop. On va prendre un petit peu ça. Voilà. Alors. On va se faire un petit peu de torche. On va se refaire des sticks. Donc la potion là, hop. Alors du coup, on va essayer de... Non, on peut pas se faire le Norman. Mauvaise idée. Bon, ça va un petit peu plus vite avec l'épée. On va reprendre du charbon, mais on n'en a pas assez. Alors. C'est cool ça qu'ils ont mis fortune sur le... Enfin, qui l'a mis fortune sur la pioche? Ça nous permet d'avoir plus de charbon. La clé, on n'a pas besoin, on va la jeter. Pour éviter le lag, on la pose. Alors. Je pense que ça va être bon. Après, on prend un petit dernier puits de charbon et puis on ira en remis dans les autres. Dans les autres parties de la map. Donc toi, t'es mort. Non. Les lianes, normalement, ça permet de nous cacher près des creepers. Ouh là là. Hop, voilà. Transformer ça en bonne mille. Il manque le plastron. D'accord. Ok, t'as pété. T'as fait péter ton pote. Oh. Oh, doucement. Doucement, les petits gars. Silverfish, non. Non, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Ah, putain, mon équipe coule. What? Oula, je vais mourir, moi. Ouh, faudrait peut-être que je fasse chauffer mon... Attends, j'en ai pile 10. Je me fasse un four pour faire chauffer ma bouffe, là. Après, on se fera une petite épée ou... Je sais pas, une pioche. Ah ben, on peut plus. Pas grave. Hop, on va se faire chauffer notre bouffe. Voilà, on a cette torche. Mais en fait, je sais pas à quelle minute nous sommes, donc du coup, je pense qu'on va se laisser là, après. On va aller explorer un dernier petit truc, et ensuite on va se laisser là, je pense. Hop, toujours fiche. Hop, prends ça. Et moi, pour la prochaine fois, je vais m'établir un petit peu, peut-être dans une petite colline comme ceci, comme cela, pardon, où je mettrai mes petits coffres, etc. pour ce début d'aventure. Enfin, sachant que comme vous le savez, j'ai repris les cours en début septembre, là, du coup, je peux pas tourner de vidéo de grande longueur. Du coup, c'est pour ça qu'on va sûrement se laisser là. Allez, fini de chauffer. On va tuer ce zombie en attendant. Hop, dégage. Hop, voilà, merci bien. Pile à sec. Puis du coup, on va aller explorer
Enfin, on va finir d'explorer cette petite grotte, non? Y a pas. J'ai déjà exploré. Mine de rien, le. Oula! Aïe! Mine de rien, l'auteur de la map, Eliseo, il a dû mettre un sacré bout de temps à la faire. Ça a dû demander un sacré travail. Oula! C'est pas dur un squelette. Ah. C'est nul les squelettes. C'est une épée en or, mais arrête de. What? Oh mon dieu, putain! En fait, c'était le squelette du spawner et j'ai cru qu'il y avait un mob. Oh, quel boulet, je vous dis. Mon dieu. Bon, là, on hésite, on n'en a pas besoin. Mais je minerai aussi peut-être des blocs pour le reste de l'aventure hein, en off. Le chest, je sais pas si on le prend ou pas. Mais bon, on va prendre les bûches. Hop, voilà. Hop. Du coup, on s'est déjà servi de notre première popo. Alors. Oula. Il y a un spawner d'accord, derrière là. Derrière ça. Hop. Voilà. Et puis ensuite. Oula. Les plombs, il y a. Maintenant j'ai compris sa petite mécanique de jeu, les planques derrière les sous le scène, ces spawners. Ouais, sinon ça serait un petit peu cheaté si on pouvait pas les voir. Laissons te parler Liane. Hop. Sans faire de bobo. Ok, ah les premiers mobs modifiés. Oh putain des Herobrine. Je me demande s'ils font beaucoup de dégâts. On va pas tester. Aïe, petit lag. Ouh! J'ai des petits frises par moment. C'est assez chelou. Avec une map de cette envergure, c'est normal, mais bon. C'est. Ouais, je change de PC. Pour mon anniversaire, sûrement. Ah, je vais plus avoir d'épée là bientôt. Ah, laissez-moi m'arrêter, s'il vous plaît. Ouh! Oh non! Oh non, pas les silverfish. Bon, je pense que je vais m'arrêter là-haut. Attendez. Oui, si, je vais peut-être m'arrêter ici. Je vais m'enfermer et je vais m'arrêter. À ce coffre, là. On va s'arrêter à ce coffre. Oula! Ouh! Non! Il fait beaucoup de dégâts! Oh! 289, 621. Bon, bah, les amis, 289, 621. C'est sur cette première mort qu'on va se laisser et se dire à la prochaine. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Du coup, moi, je vous retrouve pour le prochain. Allez, bye tout le monde!